aux agents signal des camions et des avions des Nations Unies qui apportent des vivres et de l'équipement à Almaty. Au nom des peuples oppressés du monde, nous intercepterons ce ravitaillement afin qu'il serve notre juste cause. Donc salut tout le monde, c'est Diablo et on continue le let's play avec l'émission numéro 2 de la GLA. Je vous laisse la cinématique. Convoi signalé. Ils ignorent que nous les attendons. Ils pénètrent dans le village. Tout le monde en position pour l'embuscade. Les camions des Nations Unies sont là et les moutons viennent chercher leur piton. En position! Le ravitaillement est parachuté et les gêneurs sont. Maintenant, tombez les moutons et récupérez ce qui nous revient. Voilà, l'objectif est simple, récupérer les cargaisons de l'ONU, donc il s'est représenté ancien. Les convois des Nations Unies livrent de l'aide d'urgence aux villages dans cette région. Nous saurons mieux que la faire fructifier. Je travaillerai à cette place ici. Un convoi des Nations Unies est signalé par ici. C'est du boulot. Donc voilà, le but ça va être de choper des convois des Nations Unies, récupérer assez de thunes pour se développer. Chantier de construction. Sachant que la map est divisée en deux, là. Pour l'instant on n'a que cette zone là, et après on va débloquer la zone du nord. Qui va comprendre la base des Américains. Dans cette campagne on va affronter les Chinois et aussi les Américains. Parce que la GLA c'est un petit peu... la faction ennemie des deux autres factions. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, d'accord, je vais travailler. Donc là, je suis en train de construire. Il faut vraiment aller si loin? Oui. Ouais, on va juste faire comme ça. On va peut-être en construire un deuxième de trafiquants. Il n'y a pas de meilleurs outils. De véhicules qui sortiront. Donc là, comme un autre convoi des Nations Unies a été repéré. Ah, quel souci. Amélioration, terminé. Un guerrier est tombé. Puis dans le champ de vision, de mes bonnes cœurs, enfin de mes tunnels. Je roule toujours. Voilà, on va récupérer la thune. Le convoi a pénétré dans cette région. Alors, j'ai pas vu quel logistique qu'il fallait faire. Hein. Je vois s'il récupère un certain nombre de. Prêt pour la guerre. Récupérer un certain nombre de ressources. Alors par contre, c'est bien parce que j'ai la carte, enfin j'ai le radar, mais j'ai pas de véhicule mobile cette fois. Les villageois prennent notre ravitaillement. Il faut les en empêcher, général. Scorpion prêt à piquer. Ravitaillement, donc là... J'ai peur de rien. J'ai peur de rien. On a fait notre boulot. Donc là, j'ai déverrouillé une nouvelle unité. Le convoi a pénétré dans cette région. Donc, comme les jeeps, en récupérant les pièces des véhicules détruits, bah, ça va pouvoir les améliorer. D'ailleurs, hop, on va le débloquer. Et donc, normalement, il faut le palier, mais là, vu qu'on n'a pas accès au bâtiment, on l'a directement, ce char. Donc, de base, il est très très faible. Hein. Et plus on va pouvoir l'améliorer avec les pièces, plus il sera fort. Logique. Comme pour les jeeps. Hein. À la base, ils ont une mitraillette et à la fin, ils ont un bazooka. Et vu que les jeeps sont assez fragiles quand même par rapport aux tanks, je préfère plutôt focaliser sur les chars. Après, on pourra débloquer les quads. Le convoi a pénétré dans cette région. Je ferai mon mieux. Les chars avec grosses. Enfin, les quads avec les grosses mitrailleuses, on pourra les débloquer. Ça remplacera bien. Oui, compris. Je m'en occupe. C'est bon. Oui, compris. Ça va. C'est bon. Enfin, c'est juste pas les jeeps là qui passent. Le principal, c'est de détruire les.
je suis courageux. Hop, on va mettre des unités un peu partout vu que ça arrive de tous les côtés. Des convois. Un convoi des Nations Unies est signalé par ici. Je ferai mon mieux. De toute façon, je pense qu'ils arrivent à chaque fois. Voilà. Oui, compris. Je vais attendre d'en mettre un petit pâté ici. Je ferai de mon mieux. Un autre convoi des Nations Unies a été repéré. C'est là par ici. Ouais, rien n'empêche, hein. C'est un jeu de stratégie assez. Intelligent pour des bâtiments partout. C'est pas le cas de tous les jeux de stratégie, donc là on va pouvoir. Essayer de mettre des tunnels un petit peu à droite et à gauche. Le convoi a pénétré dans cette région. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? On met le tunnel. Là, justement, j'ai pas encore la possibilité d'améliorer mes tunnels dans les pièces. Normalement, après, il y a des doubles canons. Et la fin, un blindage plus solide. Un convoi des Nations Unies est signalé par ici. Très bien. Oui, compris. On ne peut pas vous croire. Je ferai du mieux que je peux. Quoi, ça, c'est une petite strat, hein, ce que je fais là par rapport au tunnel. Je suis de base, je ferai de mon mieux. Pas forcément évident de oui, terminer avec ce chantier. Savoir ça. Hop, comme on vous voulez. Ici, le tunnel. On sait qu'ils arrivent par là. Sinon, ils suivent les routes. Donc, Le convoi a pénétré dans cette région. On a fait notre boulot. C'est bon. Je suis courageux. Oui, compris, je suis courageux. Ça fait pas trop le poids. Charles Scorpion, je vais le faire. Je sais pas du tout combien. Un autre convoi des Nations Unies. Félicitations, général. Vous avez plus du galon. Vous vous débrouillez bien. Le but est proche. Nous aurons le convoi à pénétrer dans cette région. On a récupéré 20 billes, donc là on a débloqué le nord de la base, donc là. Il y a la GLA, enfin les Américains qui sont. Ouais, mais même pas, là on n'est pas encore fini toute la mission. Et après il y a encore une autre partie plus haute où il y a vraiment la base. Là il a juste envoyé des renforts. Ouais, il n'y a plus de ressources en plus. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'on récupère les. Il faut vraiment aller si loin. Les convois. Pas de la thune parce que là on a rien. Je suis courageux. Oui, pas de ressources. Je vais regarder tout même s'il n'y a pas des caisses des fois. Non. Hop. Une volonté de faire. Très bien. Bien. On va prendre un peu des tanks là. On va faire ici. Comme vous voulez. J'obéis. C'est ce que vous voulez. Ah, je suis qu'un paysan. Un trafiquant d'armes en plus. C'est du boulot. Un avion américain, descendez-le et servez-vous. Il va falloir que je vous fasse pas mal de lance-missiles. Je suis pas de quoi. J'attégé de la GLA. Je suis courageux, très bien. Imbéciles d'américains qui pensent que leur parachutage de ravitaillement nous empêcheront de prendre notre parachute. Grâce à nos droites, nous descendrons la précieuse. Il a joué sans rien. Bon, ça c'est. Ouais, c'est défendu. Pas une grosse durée de vie. Normalement, on les détruit assez facilement. Ah, c'est, d'accord, c'est je vais travailler. Ne me frappez pas. Ah, pour acheter les défenses au cas où. Hein, si jamais ça arrive par là. On ne peut pas vivre en paix. Vous deux, vous allez vous mettre vous en plein de la base. Enfin, parmi les deux. Ah, d'accord. Avion de ravitaillement signalé. Je ferai ce que je dois faire. C'était un sacré ravitaillement là, il va falloir que je fasse pas mal de lance missiles. Enfin, il y a un tank. Là, ouais, il y a là, le village du Nord. Je ferai mon mieux. Ils sont là. Il y a quand même un camp. Je vais faire. Cette caserne. Petite base recèle beaucoup de ravitaillement. Volonté de faire. Alors, là. Des villageois ont volé notre ravitaillement et l'ont caché chez eux. J'ai débloqué les. Raser leur maison au besoin. Mais récupérer ce qui nous revient de droit. On disait, c'est un peu compliqué de détruire les avions sans avoir de quad. Sur ça, c'est un petit peu les unités anti-aériennes. Un avion américain, descendez-le et servez-vous. J'ai très faim. Foutre un
des poules. C'est du boulot, oui. Voilà, je suis en train de... Je suis qu'un paysan. J'ai pas compris un petit peu le... Marteau est trop lourd, bébé. Bon, là, si je commence à... Si c'est ce que vous voulez. C'est un véritable par ici. Ne les ratez pas. Oui, compris. Un guerrier est tombé. On signale un autre avion de ravitaillement. Char Scorpion. Hop, on va ramener ça. Avec les quads, ça va être vite réglé les... Je suis courageux. Là par contre, ça va être vite, j'ai pas de... tracteur. Un guerrier est tombé. C'est pas logique. On va pouvoir dégager ça. Char Scorpion. Oui, compris. Avion de ravitaillement signalé. Ouais, j'ai pas de tracteur. J'ai des quads, mais pas de tracteur. Moi, je peux pas m'aider. C'est des tracteurs. Voilà ce que je fais de la supériorité américaine. Oui, mais j'ai pas la patience pour ça. J'ai pas la patience pour ça. Je suis courageux. Oui, compris. Un guerrier est tombé. Avion de ravitaillement signalé. J'y vais. Des raptors, les avions de chasse. Donc ouais, la GA c'est la seule faction qui a pas d'avion, hein. Ça c'est un peu logique. La faction développée récupère un petit peu toutes les avions de ravitaillement signalés, tous les matériaux disponibles pour faire leur tank. Je sais pas vraiment les tanks de fou. Moi faut pas m'énerver. Je sais pas ce qu'il faut que j'ai 30 000 hein. À mon avis c'est par stade hein, que je t'arrive à débloquer un avion américain. Descendez-le et servez-vous. Je vais y aller. Je ferai de mon mieux. Char Scorpion. 4 canons prêts. On signale un autre avion de ravitaillement. Le grand ordre. T'as fait gaffe, mais il y a des caisses partout. Wow. J'ai pas la patience pour ça. J'ai pas la patience pour ça. Par contre, toi, il y a des petits. Mais qu'est-ce qui se pose un petit un peu. Un avion américain. Descendez-vous et servez-vous. Bon là je pense que c'est pas mal, hein. J'ai une bonne défense. J'arrive à récupérer toutes les caisses qu'il faut. Avion de ravitaillement signalé. Je suis courageux. Un guerrier est tombé. RPG de la GLA. Char Scorpion. Je dépêche. On va essayer de faire quelques quads, histoire de déloger tout ça. Avion de ravitaillement signalé. L'ennemi est proche. On signale un autre avion de ravitaillement. Quoi, 30 000, je pense que c'est. Nous avons juste envoyé des avions, mais il y en a un ou pas en fait. Notre mission est presque accomplie. Voilà. Encore un peu de ravitaillement. 30 000 en attaquant la base US. Je pense qu'un peu bête, c'est qu'on peut pas avoir. Avion de ravitaillement signalé. Notre base est en péril. Si on rate le texte, dire ce qu'il faut faire. Comme vous voulez. On va pas rappeler ce qu'il faut faire. Je suis courageux. Je me dépêche. Un avion américain. Descendez-le. Servez-vous. Personne ne se rappelle de nous. Les Américains sont venus protéger leur chair et leur terre. Éliminez-les. Je m'en occupe. Personne ne se rappelle. Avion de ravitaillement signalé. Un guerrier est tombé. Charles Scorpion. Un avion américain, descendez-le et servez-vous. Nickel. Bon.
Alors, on arrive à sortir là. Proche de la fin. Bah, ok. En fait, je vois. J'ai récupéré 40 000 que j'ai gagné. 40 000 dollars. On signale un autre avion de ravitaillement. Bon. J'aurais même pas eu la possibilité de détruire sa base, tant pis. Bon, bah voilà. Déjà, mission numéro 2 accomplie. Donc moi pour YouTube, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine mission. C'était Diablo. Ciao.